les studios de M-Stream pour ce nouveau colloque C'est tout comme, organisé par les Bachelor 3 Communication de Subdecom Nantes. Alors c'est une 15e édition que les étudiants organisent encore cette année, un véritable exploit qu'ils réussissent à réitérer chaque fois. Alors cette fois, qu'est-ce qu'on va analyser? Eh bien c'est le short content. Le short content sous toutes ses formes, on va l'analyser sous toutes les coutures, évidemment avec nos intervenants qui sont concernés par ces postes courts, ces postes écrits ou ces vidéos, on le verra tout à l'heure. Donc 1h30 de plateau ici dans les studios de M-Stream, mais pas que. Vous nous suivrez aussi derrière vos écrans, un format proposé en hybride une fois de plus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice du campus Subdecom Nantes, Caroline Saunier, qui fait suite à Eda Dogan, qui elle est restée directrice de la marque Subdecom Nantes. Caroline. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais à l'instant, vous êtes la nouvelle directrice du campus Subdecom Nantes. Ça fait quelques mois que vous avez pris vos fonctions. Pourquoi? Quelles sont vos ambitions finalement pour cette école? Alors déjà, merci de cette présentation et je voulais avant toute chose remercier les jeunes de l'organisation de cet événement. C'est un moment pour eux qui est assez crucial. C'est l'aboutissement d'un travail d'une année. Aujourd'hui, je suis à vos côtés pour justement introduire ce moment-là. Nos enjeux aujourd'hui au sein de Subdecom, c'est d'accompagner chaque élève dans une démarche de compréhension du marché, de compréhension des différentes formes de professionnalisation qu'ils peuvent avoir et puis comment ils peuvent intégrer et être employables sur le marché. Aujourd'hui, on a énormément de choses qui bougent, qui changent dans le milieu de la communication et Subdecom les accompagne dans la découverte de tous les métiers de la communication, que ce soit le digital, l'événementiel ou la création. Alors là, ce qui est vraiment étonnant, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, un véritable exploit, c'est que durant toute l'année, en fait, ils travaillent en module sur l'organisation de cet événement. Il y a vraiment de nombreux projets qui sont organisés à Subdecom. À votre avis, quels sont les atouts? Pourquoi est-ce que vous mettez en place autant de projets pour les étudiants? Alors, c'est essentiel pour les jeunes, pour que leur sensibilité, leur compétence se développent dans le moindre détail. Et c'est en faisant qu'on apprend. Donc, le learning by doing, c'est notre mot d'ordre aujourd'hui. Et là, on sent que les jeunes apprennent à réaliser un événement, à créer un moment clé autour du short content. Mais c'est là qu'on va pouvoir devenir professionnel, qu'on va pouvoir apprendre à avoir le moindre détail réglé, même si on sait toujours qu'il peut y avoir des moments un peu de surprise, mais au moins on est prêt quand on a déjà fait. Oui, ça va être tout l'enjeu du live, effectivement, ça reste spontané quand même. Alors justement, aujourd'hui, on va aborder la notion de short content. Le short content, ça vous parle? À Subdecom aussi, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui? À Subdecom, aujourd'hui, on a plusieurs stratégies de communication. On a plusieurs médias, il y a énormément d'innovations. Et on essaie de faire en sorte qu'on teste ce short content, on teste d'autres méthodes. Mais on le verra avec nos professionnels dans le tour de table. Il y a le short content et il y a d'autres stratégies qui peuvent être utilisées. Donc on utilise tout et on teste tout à Subdecom. Merci beaucoup Caroline, vous restez avec nous. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir nos premiers invités, Patrick Chailloux, responsable de programme à Subdecom Nantes, et François Lamé, neuroscientifique, anthropologue de formation et également consultant en stratégie narrative. Je disais, à
l'heure de l'infobésité. Aujourd'hui, on a toujours plus de contenu court, que ce soit sur TikTok, que ce soit les Reels sur Instagram, que ce soit les Shorts sur YouTube. Vous êtes férus de ces formats, messieurs, c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors Patrick, je le disais, donc vous êtes responsable des formations, du programme, en tous les cas, à Subdecom Nantes. Et puis, vous donnez des cours aussi, et notamment un module sur le comportement du consommateur. Alors, dans vos vies antérieures, vous avez aussi travaillé ces contenus longs, puis de plus en plus courts. Quelle est aujourd'hui, justement, votre analyse face à ces contenus ? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. En effet, je vais commencer par un petit peu de storytelling. Après, je pense qu'en effet, en 4 décennies de communication, j'ai pu voir évoluer cette notion de long, cette notion de court, notamment aussi avec l'intensification du digital qui a véritablement dynamité un petit peu tout ça. Il faut savoir que je ne suis peut-être pas forcément le plus qualifié pour parler de cours, parce qu'en effet, j'ai toujours fait toujours trop long dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais journaliste en PQR, j'avais droit à 1200 signes et un feuillet et je dépassais toujours. Quand j'ai travaillé en magazine, il fallait toujours remplacer par des grandes photos et je faisais toujours trop long dans l'ambiance que je mettais en place. Quand j'étais en télé, dès que je commençais à faire une anecdote un peu trop longue, on me faisait genre cut parce que c'est trop long. Donc, en effet, il y a eu cette partie-là où tout était toujours trop long. Après, il y a la partie où tout était toujours trop court. C'est-à-dire, j'ai travaillé en agence de communication. Et là, quand on se retrouvait face à des clients, c'était toujours trop court parce que le slogan était trop court, la baseline était trop courte, la body copy était trop courte, le communiqué était trop court. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient en permanence valoriser leurs produits et ils pensaient que ça passait par la longueur. Voilà. Dernière phase, en effet, que je pourrais dire par rapport à l'annonceur, la troisième partie un petit peu de la communication. Là, j'ai enfin pu faire long puisque j'ai rejoint les 24 heures du Mans, course d'endurance la plus célèbre au monde, donc je me suis dit, je vais enfin pouvoir faire long. Et on ne va pas me dire, ah ben non, si tu pouvais le réduire à 22 ou 23 heures, ça serait quand même pas mal. Donc là, j'ai pu faire long, mais même par rapport aux notions d'instantanéité, d'intensité médiatique, il fallait trouver des biais pour justement faire la communication d'une course qui est sur la durée. Et j'étais obligé de vendre plutôt 18 grands prix de F1 qui sont les uns la suite des autres. Ou alors je vendais un Paris-Bagdad en 24 heures à 250 km/h de moyenne. Voilà, donc toujours des petits biais pour faire passer la notion de longueur de façon plutôt courte. Et bon, tout ça ne vous dit pas au final qu'est-ce que c'est. Ah oui, c'est ça, c'est voilà. Qu'est-ce que le short finalement bon, alors, là, je vous ai mis une petite image, en effet. Quand vous commandez un café court ou un café long, le serveur sait ce que c'est. Quand vous allez chez votre banquier, en général, le court terme et le long terme, vous le percevez assez rapidement par rapport aux intérêts que vous payez. Donc là, c'est assez clair. En revanche, en matière de communication, il est évident que le court, le long, tout est vraiment relatif. Et je pense que ça fait partie des objectifs de ce colloque, de comprendre que tout est vraiment question de contexte. Et c'est ce qu'on va exprimer. Est-ce qu'on peut parler de short à la fois en termes de vidéo et également d'écrit ? C'est du contenu écrit et vidéo, le short, on est d'accord ? Oui, c'est vrai que par extension, le short content est vraiment apparu avec la notion de digital. On lui substitue souvent la notion de snack content, donc la chose qu'on va déguster rapidement, qu'on va digérer rapidement. Ça vient s'opposer à ce qu'est long form content ou alors slow content, la chose qu'on prend le temps de déguster. Donc en effet, il y a plein de notions différentes et tout est question de contexte et on le comprendra bien avec toutes les interventions des personnes qui sont avec moi ou qui vont me succéder. Évidemment. François Lamé, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le disais, hein, vous êtes socio-anthropologue, consultant en stratégie narrative, expert aussi de tout ce qui est neuromarketing, des notions qui peuvent paraître un petit peu abstraites hein, pour tout un chacun aujourd'hui, mais vous allez nous les expliquer. Est-ce que finalement, vous diriez que le short, c'est un peu la clé de la réussite aujourd'hui ? Oui, sans doute. Ça a toujours été la clé de la réussite. En fait, c'est pas nouveau. Et je voudrais juste faire un petit exercice pour commencer, un exercice rigolo que tout un chacun peut faire. Je vais lâcher le micro et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Il faut juste tendre les bras. Je vous invite à vous lever. Pour vous rendre compte de ce que ça veut dire, en fait, le narratif, vous allez tendre, comme si vous vouliez prendre quelque chose. Alors. François, peut-être, juste prendre le micro pour nous expliquer. Donc, tendre les bras. Alors, tendre les bras très loin. Comme si vous alliez attraper quelque chose. Quelque chose que l'on désire très, très, très fort. Donc, vous allez tirer. Et puis, relâcher. Vous allez refaire. Vous allez tirer. Mais vous voulez vraiment, hein. Et puis, vous allez relâcher. Vraiment. Qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent une forme de relâchement.
cette expression-là. Vous pouvez vous rasseoir. Je vous remercie beaucoup. Ceux qui l'ont fait, merci. Et je voulais vous dire, ça, c'est l'effet d'une histoire. Cette histoire, vous pouvez la créer, vous pouvez la raconter à plus ou moins grande vitesse. C'est exactement ce que disait mon partenaire tout à l'heure. C'est une question de durée. Vous pouvez absolument la faire tenir en quelques secondes ou vous pouvez la développer. Alors, comment est-ce que notre cerveau va accueillir justement ces formats plutôt courts? Alors, notre cerveau, alors, il paraîtrait qu'on a 80 à 100 milliards de neurones dans tout notre corps et en particulier dans notre cerveau. Et ces neurones, ils sont parcourus d'électricité. Donc, ça veut dire que dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on pense à quelque chose, dès qu'on ressent quelque chose, nos neurones se connectent et constituent des faisceaux, exactement comme de l'électricité. D'ailleurs, Internet a été créé sur cette idée. Et donc, cette électricité va irriguer notre corps et entre les neurones vont arriver des neurotransmetteurs, des hormones, qui vont constituer ce que l'on ressent. Alors, nos émotions, ça peut être... Alors, il y en a qui sont des hormones qui sont très connues, comme la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine quand on est amoureux, quand on est heureux d'être en société, comme aujourd'hui. Mais l'une des plus connues de ces hormones est la dopamine, l'hormone du plaisir. Ça veut dire que quand on se lance dans une opération narrative ou quand on tend les bras, on ressent un stress et puis on se détend davantage ensuite, eh bien, ces différents moments constituent, à la fin, il y a quelque chose qui se crée dans notre cerveau, qui se développe, eh bien, c'est l'apparition de la dopamine. Il y a une récompense. La récompense, c'est quand on a accédé à ce qu'on voulait, à ce qu'on voulait avoir, et donc on va ressentir du plaisir. Alors justement, avant peut-être de ressentir du plaisir et d'avoir cette dopamine effectivement qui irrigue notre cerveau et qui nous permet d'être heureux, de se sentir récompensé, il faut quand même réussir à toucher l'attention, du consommateur final, de la cible finale. Patrick, justement, à ce sujet-là, aujourd'hui, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Il y a un chiffre qui revient assez fréquemment, celui de 8 secondes. Donc, c'est quand même une seconde de moins que l'attention du poisson rouge. Donc, c'est quand même un petit peu inquiétant. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à toucher l'attention de notre cible en très peu de temps? Alors, je ne suis pas non plus le spécialiste des poissons rouges. En revanche, un petit peu plus de l'attention. Et en effet, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on avait réussi à analyser, à quantifier à 8 secondes 25 l'attention d'un être humain par rapport aux 9 secondes d'un poisson, qui est en général la chose qu'on peut lire sur tous les articles, tous les bouquins, tous les réseaux, tous les séminaires. C'est en général quelque chose qui fait les délices des communicants, des marketeurs, des managers, des formateurs. Alors tout de suite, je vais être un peu déceptif, parce qu'en fait, c'est une étude qui n'est pas fausse, mais qui n'est absolument pas vraie. C'est-à-dire que ce chiffre, il est là depuis 20 ans, il n'existe pas. Mais on se le transmet de séminaire en bouquin, de bouquin en article, d'article en truc du web. Ça n'existe pas, en fait. On se rend compte que ça vient d'une étude de Microsoft qui l'avait montré dans une infographie en 2015 sur une étude de l'attention et qui émanait, on ne savait pas d'où, d'un Brain Research Institute obscur, qui était en fait un site de compilation et qui a toujours après démenti toutes les sources. Donc, l'attention, on voulait, en fait, derrière tout ça... C'est ce qu'on appelle de l'illustration narrative. On voulait démontrer que le digital attaquait notre attention, que les jeunes qui étaient tout le temps sur leur portable n'avaient plus d'attention et que donc leur attention devenait inférieure à celle d'un poisson rouge. Donc c'est totalement faux. En revanche, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que c'est porté sur l'attention et l'étude était assez intéressante pour montrer, je pense que François en reparlera tout à l'heure, qu'il y a différents types d'attention, la fragmentée, la relative, la soutenue, la multitâche, celle où on fait plusieurs choses à la fois. Et en effet, la chose qui est sûre, c'est que par contre, on est assailli en permanence par un océan de sollicitations, c'est les fameux 500 à 3000 messages qui vous sont envoyés chaque jour. Et en fait, notre cerveau doit faire le tri. Et donc, il choisit, est-ce qu'il porte son attention ou pas à cette information? C'est l'attention perceptive, est-ce que j'y apporte de l'importance? Et après, c'est l'attention réceptive, comment je l'encode, comment je le stocke et comment je le traite. Donc, en effet, je vais tordre le cou à quelque chose qui est totalement faux.
au contraire, notre attention est de plus en plus forte. On est de plus en plus fort pour sélectionner les informations qui ont un enjeu pour nous. Et donc, c'est en cela que le short content permet de faire ce travail préliminaire. Mais l'attention ne diminue pas. Au contraire, l'attention n'a jamais été aussi forte, aussi sélective, aussi puissante. Alors justement, on parle d'attention. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi d'addiction, finalement ? Est-ce qu'on est attentif ou est-ce qu'on est juste addict à ces nouveaux contenus très courts qui nous ciblent très bien ? Et donc, où le scroll est permanent, finalement. Oui, c'est ça. Tu as spoilé tout à fait tout ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que le short content, il a toujours existé. Il a toujours existé. Il y a toujours eu des cris de guerre. Il y a toujours eu des slogans. Il y a toujours eu des haïkus. Il y a toujours eu des contenus courts. Il y en a toujours eu. Le problème, c'est que si on veut voir un problème... Et je suis là pour représenter un peu le problème, c'est que les contenus courts sont dans des canaux, dans des tuyaux, et ils sont permanents. Et c'est ça qui pose problème. Parce qu'en fait, vous avez un seul contenu court, bon, vous avez le temps, après le stimulus, vous avez le temps de la réaction. Vous avez la capacité de mettre en œuvre votre capacité de réflexion. Si vous êtes bombardé d'informations toute la journée sur un tuyau qui se déverse sans arrêt, c'est problématique parce que en neuropsychologie, on voit bien que l'attention humaine, elle est limitée au sens où l'énergie humaine est limitée, notre énergie cognitive, le coût cognitif est limité. Alors justement, quels sont les mécanismes finalement pour nous rendre addicts ? Il y a un terme qui est peu barbare, celui de la captologie. Oui. Est-ce que celui-ci, vous pouvez nous l'expliquer ? Comment est-ce qu'on va réussir à maîtriser suffisamment le cerveau de notre cible pour la persuader de lire ses contenus ? Alors il y a deux façons de procéder. D'abord, comme je vous l'ai dit, nous sommes des êtres tout à fait perfectibles, c'est-à-dire imparfaits. Et donc, au bout d'un mois, une information est oubliée à 90%. Ça veut dire que pour qu'une information, et tous les profs, tous les enseignants à SUB2 comme le savent aussi, pour qu'une information passe, il faut la répéter. Et il faut la répéter un nombre calculable de fois pour éviter l'oubli. Parce que sinon, une information qui est donnée à J1, à J30, elle est oubliée à 90%. Donc ça veut dire que votre short content, il doit revenir. C'est itératif. Deuxième façon de procéder, c'est de procéder vraiment à l'impact. Donc c'est une deuxième manière de procéder. La plupart du temps, c'est répétitif, c'est-à-dire c'est du placement de produits, c'est des messages qui reviennent sans arrêt, c'est le principe de la pub. Les contenus courts, la pub, ça fait longtemps que... ça fait longtemps que dans la presse, on fait des titrailles, ça fait longtemps qu'il y a des cris de guerre, ça fait longtemps qu'on invente des slogans, et ce n'est pas dans l'univers de la com et du marketing qu'on me dira le contraire. Donc, le problème, c'est que ce soit itératif et qu'on ait les canaux pour... Donc, pour éviter cette captologie, alors la captologie, c'est un mot relativement nouveau. Il y a des départements à Stanford qui ont été créés de captologie pour concentrer toutes les manières qu'on a de retenir l'attention des gens. Et donc, ça passe par de la psychologie, mais aussi des normes sociales, mais aussi pour retenir l'attention des gens, généralement, il faut utiliser les schémas cognitifs et comportementaux existants déjà. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux autres. Ça veut dire que vous avez beau leur parler de sujets très complexes, il va falloir partir de leur vie quotidienne, de ce qu'ils connaissent, de leurs expériences. En réalité, nous sommes tous constitués de notre histoire passée, alors évolutionnaire, mais aussi de notre contexte social, mais aussi de nos expériences de vie. Et en plus, l'être humain est un être de contexte. Il va penser tout le temps au présent. C'est pour ça qu'il oublie tout. Là, je vous parle aujourd'hui, à Nantes aujourd'hui. Demain, vous m'aurez oublié peut-être. Non, on vous regardera en replay. Oui, en vidéo. Comme ça, alors, il va falloir que je revienne dans vos vies tous les jours, vous dire j'existe, comme une marque. Et alors, donc, vous le disiez, oui, effectivement. Et puis, une fois que vous avez rendu addict ces individus, ou en tous les cas que vous avez réussi à les faire adhérer à vos shorts, c'est bien ça, c'est là que s'active après le système de la récompense dont vous parliez tout à l'heure. Oui, alors ce système de la récompense, il peut être dans le,
dans les addictions, que ce soit les addictions à la drogue, les addictions, les systèmes d'emprise. C'est exactement le même système, c'est-à-dire ou même, vous pouvez être accro au chocolat parce que vous ressentez du plaisir à chaque fois que vous mangez du chocolat. Le truc, c'est que à un moment donné, en fait, à force de vous donner tout le temps du plaisir et un plaisir rapide, eh bien, ça fait comme un shoot de cocaïne. Vous êtes habitué. Vous êtes habitué. Alors, en fait, le short content, il n'est pas maléfique en lui-même. Il est maléfique si on l'utilise mal et si on n'arrive pas à se débrancher. Ouais. Et le problème, c'est que d'un côté, il y a des communicants et des gens qui font du marketing, et puis de l'autre, il y a des utilisateurs. Et TikTok, en ce moment, est sous la lumière. L'Union européenne a une commission d'enquête concernant TikTok. Pour cette raison-là. Ça pourrait aussi créer des dégâts, effectivement. Y a des jeunes gens qui, sur TikTok, en plus avec le problème de l'intelligence artificielle, se retrouvent avec le même type de contenu sans arrêt. Donc, ils ont imaginé avoir des maladies et ils ont développé, en fait, le sentiment d'avoir une maladie. C'est le problème des algorithmes. Absolument. Disons que ça enferme dans un certain type d'information et donc on a l'impression de vivre tout le temps la même chose. De la même façon, ça peut développer aussi les clashs. Comment apparaître en faisant du storytelling basé sur le conflit, le clash, etc. Toutes choses qu'on voit énormément se développer aujourd'hui pour apparaître. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tellement saturé de data, d'informations, de contenu dans tous les sens. Pour réussir à se démarquer par le contenu. Il faut, d'un point de vue de communication, à réussir à se démarquer. Alors, soit vous en mettez beaucoup à la minute, soit c'est très fort d'un point de vue d'impact. Et de l'autre côté, il faut arriver à se débrancher de temps en temps pour récupérer un peu de cortex préfrontal, pour réfléchir un petit peu de temps en temps. Alors, si justement, on continue sur le cerveau et ce qu'il apprécie, ce cerveau, il y a le système de récompense. Et puis, il y a aussi, Patrick, cette notion d'économie d'énergie. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Comment est-ce qu'on peut utiliser cette notion, justement, à bon escient pour les shorts? Oui, le cerveau, en effet, non seulement est forcément sensible à tout ce qui est notion de plaisir, il est aussi en mode économie d'énergie. En fait, notre cerveau, il est composé de deux parties, une partie un peu reptilienne, un peu primitive, qui nous gère depuis à peu près 300 millions d'années, et puis le cerveau un petit peu plus jeune, qui n'a que 3 millions d'années, qui est plus le cerveau rationnel, le néocortex, et c'est toujours en fait le reptilien qui prend le dessus, et donc c'est lui qui va donner entre guillemets le go no go au message. Et donc comme il ne peut pas traiter un nombre infini comme les 86 milliards de neurones et les 100 000 milliards de synapses, en effet sont parcourus en permanence par des flux, ils peuvent pas traiter non plus une quantité infinie d'informations. Donc faut que ça ait du sens, faut que ça puisse être stocké, faut que ça puisse être mémorisé. Et donc ça implique en termes de communication des choses, six données très très importantes à savoir quand on est un communicant. Il faut toujours que ce qu'on fait passer comme message soit personnalisé. En fait, le cerveau est très auto-centré, donc en effet, quand ça me concerne, forcément j'écoute un peu plus. Ensuite, il faut que ce soit contrasté, c'est-à-dire que le cerveau, il n'aime pas les choix multiples, il n'aime pas arbitrer plein de trucs. Ce qu'il veut, lui, c'est quelque chose de go, no go, oui, non, blanc, noir. Je vous ai mis cette affiche donc, d'une campagne de la Fondation de l'Abbé Pierre, qui était justement sur les SDF, et le slogan de mémoire, c'était genre « Ils ont eu un passé, aidons-les à avoir un avenir ». Et plutôt que de montrer juste, l'actuel, ils ont aussi mis le avant, qu'ils ont intégré dans l'image donc, du maintenant, et le contraste est forcément très très parlant pour nous. Donc le contraste, le cinéma américain l'a très bien compris, le manichéisme, c'est sa base même, on sait qui est le méchant, on sait qui est le bon, des fois qu'on ne le saurait pas, il y en a un qui est en noir, l'autre qui est en blanc. Enfin, je veux dire, ça répond à notre souhait. Ils n'aiment pas trop le cinéma français qui est fait de nuances, en fait. Pour eux, il faut qu'il y ait un bon, un méchant, oui, non, et il faut que ce soit très contrasté. Le cerveau américain, on le voit surtout avec Donald Trump, fonctionne extrêmement avec le reptilien. Et Donald Trump l'a parfaitement compris, d'ailleurs, qui n'utilise que 900 mots dans ses discours contre 6000 aux candidats démocrates, en utilisant 62% de mots qui n'ont qu'une seule syllabe. Donc en effet, Trump joue souvent le mec un peu primaire. En fait, il est extrêmement sophistiqué dans sa manière de toucher le cerveau justement des Américains qui voteraient pour lui. Après, il faut de la simplicité. Simplicité, ça c'est quelque chose de classique aussi en communication. On a toujours tendance créativement à vouloir en rajouter pour donner vraiment de la créativité. Mais comme disait De Vinci, Léonard de son petit nom, il n'y a pas de sophistication plus suprême que la simplicité. Donc pensons toujours simple. Après, il faut quelque chose qui soit mémorisable. Et c'est là où François l'évoquait, il faut des structures narratives qui permettent de mémoriser en fait une information.
La cinquième, c'est tout ce qui est émotionnel. L'homme, en fait, est un être émotionnel. Damasio, qui est un neuropsychologue américain, a écrit un bon bouquin qui s'appelait « L'erreur de Descartes ». En fait, on n'est pas du tout des êtres rationnels qui connaissons des émotions. On est des êtres émotionnels qui, quelquefois, réfléchissons. Et il l'a démontré, et ça veut donc dire que dans le narratif, il faut toucher vraiment l'émotion. Et enfin, je termine par le V de visuel. Tout simplement, on a 30% de nos neurones qui sont visuels. Donc ça veut dire qu'on est fait pour, on va mettre 10 fois plus de temps, enfin même 100 fois plus de temps, à décoder une image par rapport à un mot. Et donc c'est pour ça que les médias ont toujours évolué dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu les mots, ensuite il y a eu les affiches, ensuite il y a eu la radio qui suscite un autre sens, ensuite il y a eu la télé qui animait l'image, et puis bientôt il y aura sans doute le métaverse, le web 3, mais là il faudra vraiment que tous ces univers-là s'interconnectent, mais on va dans ce sens-là. Et pour les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. On a commencé plutôt avec des réseaux qui étaient assez verbeux, Facebook, Twitter, maintenant X. Après, on a évolué vers Instagram parce que le cerveau voulait de l'image. Et maintenant, on est à TikTok et YouTube parce qu'il veut du visuel. Ouais. Donc, en fait, quelle que soit la période, on va toujours de ce qui est figé à ce qui est animé parce que notre cerveau est entre guillemets, construit pour justement détecter une menace, détecter les conditions de notre survie. Et donc, il veut constamment, et c'est pour ça que TikTok commet, outre le fait qu'en effet, c'est des shoots de plaisir de tomber sur des sujets qui nous intéressent en scrollant de façon compulsive, mais en plus, donc, il y a cette notion de diversité qui est parfaitement exploitée par TikTok au travers des algorithmes. Alors, on verra effectivement comment ça évolue, hein, et puis comment cette utilisation du short évolue tout au long du plateau, mais on a quand même tendance à penser, notamment avec l'intelligence artificielle, hein, que ça va venir renforcer cette notion de short et qu'on va être d'autant plus capable finalement de lancer des posts relativement courts à notre cible. François. Oui, tout à fait. Oui. Alors avec l'intelligence artificielle, on va le faire de manière artificielle. Et donc le problème de ça, c'est comment est-ce qu'on va récupérer de la capacité de réflexion entre le stimulus et la réaction. En fait, c'est toujours pareil. Vous avez un stimulus, n'importe lequel. Ça peut être banzai, ça peut être on y va, ça peut être tous ensemble. Ça peut... Et après, il y a une réaction. C'est voter pour moi, alors vous votez pour lui. Ça peut être acheter des yaourts machin. C'est toujours la même chose. Et donc, à partir du moment où vous avez plus de capacité de réflexion, bah, vous avez une manière en fait, de résister à cet engouement qui est forcément un engouement social. Est-ce qu'on ne bascule pas finalement aussi dans la facilité ? Alors, ce qu'on voit aussi, c'est... Alors, je ne voudrais pas brosser un tableau tout à fait négatif, parce que ce serait assez facile. L'être humain est toujours surprenant. Et dans ce cadre-là, dans cette perspective-là, alors effectivement, on est bombardé de plus en plus d'informations, mais il y a quelque chose qui nous sauve, c'est qu'on est tout à fait limité. Un être humain, il n'a qu'une seule vie, il a deux bras, s'il a de la chance, il a deux jambes, s'il a de la chance, et il a 80, 100 milliards de neurones, et puis d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. Mais il est tout à fait limité. Et dans une journée, vous ne pouvez pas vous enfiler tout ce qui... Il y a eu un moment... Je me souviens, il y a eu un moment où tout le monde mettait, alors les plus vieux s'en souviendront peut-être, mais sur les disques durs, toutes les musiques possibles et imaginables qu'on n'a jamais eu le temps d'écouter. De la même façon, quand vous avez accès à tous les contenus, toutes les informations qui seront faites par l'IA, est-ce que vous aurez le temps de tout regarder ? Pas sûr non plus. Pas sûr. Vraiment pas sûr, parce qu'il y a ce coût cognitif. Et qu'on n'a qu'une seule vie. Et on voit dès aujourd'hui des gens plus jeunes se remettre à faire du tricot le soir au lieu de regarder TikTok. Mais donc, moi, tant qu'il y a des gens qui feront du tricot, je serai rassuré d'une certaine façon. Et je pense pas. Alors, et puis par ailleurs, plus on est bombardé, en fait, plus on est bombardé, plus on a une espèce de réactance. On se dit, mais je vais pas me faire empapaouter pendant des heures par TikTok, par Instagram. Il y a un moment, on pose son téléphone, on fait autre chose, on voit des copains, on sort. J'ai assez confiance dans l'être humain. Alors, le problème, c'est les gens les plus fragiles. Les gens les plus fragiles, ceux qui manqueront de cette capacité de discernement, pourront être embarqués, happés par des dark patterns, par des choses itératives.
Maintenant, les lois, ça existe et l'Union européenne commence à légiférer sur la question. On a commencé ce premier plateau avec un exercice, François. Peut-être qu'on peut clôturer ce premier plateau avec un autre exercice. J'ai un autre petit... On les motive. Ouais. Ouais. J'ai un autre petit exercice. Alors, j'aurais besoin d'une personne dans la salle. Une seule cette fois-ci. Une seule. Allez, qui se lance ? Qui se lance ? Quelqu'un de courageux. Maxime. Ouais. Ouais, Maxime, il est courageux. Il est courageux. Ouais. Maxime, alors. Maxime, tu restes là et tu regardes tes caméras, tu regardes tout le monde. Et puis, tu vas dire plusieurs phrases de 5-6 mots. Ouais. Au hasard, comme ça. Et puis, vous répondrez exactement. Alors, attendez. Patrick, je vais vous emprunter votre micro et je vais le donner à Maxime pour qu'on entende bien ces 5-6 phrases de quelques mots. Voilà. N'importe quoi, hein, c'est j'aimerais bien manger des frites ce midi. Je sais pas. J'aimerais bien la être en vacances. La ville de Nantes est très grande. La ville de Nantes est très grande. Répétez tous ensemble. La ville de Nantes est très grande. Les plantes sont plantées dans le jardin. Les plantes sont plantées dans le jardin. La poubelle est au centre de la pièce. La poubelle est au centre de la pièce. Maintenant, vous allez dire qu'un seul mot. Maison. D'accord. Jardin. Jardin. Vaisselle. Vaisselle. Plante. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que je ressens ? Ouais, qu'est-ce que vous ressentez ? Ben, juste, oui, ils ont répété, ben, ils ont vite répété ce que j'avais dit. Donc et vous, forcément... émotionnellement ? Voilà, actuellement, émotionnellement, ben, juste. Forcément, le sentiment de se dire, il répète exactement ce que je dis, donc la satisfaction un peu. Donc short content. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, François Lamé. Merci beaucoup, Patrick Chaillou. Je vous laisse regagner vos places avant de passer au plateau suivant, justement, pour comprendre maintenant pourquoi on utilise ce short, maintenant qu'on sait exactement à quoi ça correspond, avec Lucas Herouet et Maud Serrault. À tout de suite. Bonjour Maud, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, je le disais, maintenant, il va s'agir de savoir pourquoi on utilise le short. Lucas, je vous ai rencontré, vous travaillez au FC Nantes hein, comme community manager. Après, vous êtes passé à Sportpack, une agence de sportive marketing. Et puis ensuite, Big City Life. Et aujourd'hui, enfin depuis 3 ans maintenant, hein, vous avez cofondé Nousa. Et vous avez développé notamment un concept, celui de la belle époque. Est-ce qu'on peut revenir rapidement dessus et puis peut-être aussi sur l'évolution de vos différents métiers ? Comment vous avez vécu ça ? Bonjour. Alors, tout d'abord, la belle époque, c'est un concept de croisière DJ set à Nantes, sur l'Erdre, en partenariat avec les bateaux nantais, qui a plusieurs concepts dans le concept, c'est-à-dire qu'on organise des croisières festives et aussi des croisières after work, et on développe de plus en plus les privatisations pour les entreprises. Et du coup, sur l'évolution de mon métier en tant que tel, effectivement, de community manager à aujourd'hui, en passant par chef de projet social media à Sportpack, et responsable de la communication à Big City Life, j'ai touché pas mal de corps de secteurs, le sport, les médias et aujourd'hui l'événementiel, mais toujours avec au centre le social media et la création de contenu, et notamment le short content, notamment vidéo, sur lequel on reviendra souvent. On reviendra tout à l'heure, effectivement, vous nous expliquerez un petit peu comment vous avez fait évoluer cette communication digitale. Maud, merci aussi d'être venue jusqu'à nous, hein. Vous travaillez pour l'agence digitale Intuiti, vous êtes responsable social media, alors ça consiste en quoi ? Quelles sont vos missions concrètement, quotidiennement ? Bonjour à tous, merci déjà de votre accueil, je suis ravie d'être là. Alors moi, ça fait une dizaine d'années, je pense que je travaille dans le social media, je suis arrivée sur le monde du travail en même temps que Facebook, donc j'ai vu l'évolution des plateformes, j'ai vu l'évolution des contenus.
Donc, et du coup, effectivement, l'avènement du short content. Aujourd'hui, je suis chez Intuiti depuis un an et demi et j'ai la responsabilité du pôle social, média et influence. Donc, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, le short content au quotidien. Pour plein de raisons. Effectivement, on l'utilise dans les stratégies de nos clients et on l'utilise beaucoup aussi pour aller chercher des insights auprès des audiences. Et ce qui fait vraiment partie de l'ADN d'Intuiti aujourd'hui et de nos convictions d'agence, c'est-à-dire que pour imaginer les bonnes stratégies pour nos clients, c'est hyper important d'avoir une vraie connaissance des clients de nos clients. Et pour ça, le short content répond vraiment bien à ça. Et je pourrais citer des exemples un peu plus tard, mais que ce soit les stories Instagram interactives avec ces petits sondages ou de l'A-B testing quand on fait des campagnes publicitaires, c'est plus facile de tester 3-4 vidéos de 15 secondes plutôt qu'une longue. Donc, ça nous permet d'avoir de la data, d'avoir plein d'infos sur les clients de nos clients. Donc, ça a plein d'intérêts d'un point de vue stratégique aussi. Oui. Alors, justement, vous le disiez, hein, vous accompagnez effectivement la réflexion de vos clients sur voilà, la stratégie qui va vraiment de A jusqu'à Z. Mm-hmm. Quelle est leur cible et donc comment on répond à cette cible. Est-ce que vous avez vu la longueur des posts, par exemple, évoluer ? Vous parliez tout à l'heure de Facebook. Aujourd'hui, on est davantage sur TikTok, sur Instagram. Est-ce que vous avez vu, bah, justement, vous, votre réflexion de voir toujours se condenser En fait, il faut, c'est ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est qu'il faut se rechallenger à chaque fois. Et quand on accompagne un client, même sur le long terme, en social media, tous les ans, on se renouvelle, voire même tous les mois parfois, mais dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive. Et effectivement, l'arrivée de TikTok a tout challengé, a tout fait bouger. Ça a influencé Instagram avec les Reels, ça a influencé YouTube avec les Shorts. Et pourquoi ça a fait tout bouger ? Pourquoi finalement Parce que le succès de TikTok a fait des jaloux, quoi. On s'est dit, bon, et en ça, fait, vous vous y attendiez ? Ou alors ça a été vraiment... On le guettait. Ça a été soudain. On le guettait depuis un moment. Et après, nous, on est souvent prêts avant nos clients. C'est-à-dire que... ils ont encore du mal aujourd'hui à se dire, bon déjà, la prod vidéo, c'est un coût. Il y a un enjeu de volume, un enjeu d'immédiateté. Là où avant, on pouvait se dire, bon, je vais produire une vidéo de 15 minutes, un spot télé, par exemple. Donc, c'est une vraie mission en soi, ça s'anticipe, etc. Aujourd'hui, on leur dit, bah, tous les mois, il va falloir 3, 4, 5 vidéos de 15 secondes. Et allez, on n'hésite pas, on prend son iPhone et on fait des témoignages de clients et tout. Ah ouais, non, mais alors là... Donc ils sont encore assez frileux. Oui, il faut aussi que eux finalement s'adaptent à ces nouveaux formats. C'est pas toujours évident quand on travaille pas pour une agence justement de social media. Il y a une vraie part d'éducation aussi de leur dire en fait accepter aussi presque de venir dégrader la prod pour pouvoir répondre à cet enjeu de volume aussi. C'est-à-dire que on peut vous voulez dire faire des vidéos peut-être moins quali, plus courtes, mais plus fréquentes. Et puis moins quali, je ne sais pas, mais en tout cas, surtout, ça répond au code, en fait. Si on va sur TikTok demain, il ne faut pas y aller avec une prod hyper léchée, un Cézanne, par exemple, et j'en parlais il n'y a pas longtemps lors d'une conférence aussi, va avoir sur Instagram en Reels des vidéos hyper léchées en studio de nana qui porte des vêtements, vraiment studio, magazine. Et sur TikTok, ils font des espèces de micro-trottoirs. Alors, c'est un peu fake. Hein. En vrai, c'est aussi des mannequins. Mais c'est filmé un peu de travers. On voit le trottoir un peu crado derrière, presque. Et elle est là à raconter sa tenue. Oui, parce que la cible, finalement, différentes. On en revient toujours au même. C'est que la cible n'est pas la même. Donc, la cible n'est pas la même. Le format elle-même, c'est des vidéos de 30 secondes. Mais le contenu est différent. Et ça s'adapte. Et en fait, c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'il faut faire du long, du court ? En fait, ça va dépendre... effectivement, de la cible, de la plateforme qu'on investit, ça dépend de plein de choses. Lucas, vous, à quel moment est-ce que vous êtes emparé justement du short ? Est-ce que ça a commencé dès le départ ? Est-ce qu'au FC, quand vous avez commencé, vous étiez aussi sur des vidéos très courtes et impactantes ? Alors, au FC Nantes, il y a toujours eu du short, mais on a vraiment pris le virage du short content et notamment du short vidéo content, comme me disait à l'explosion de TikTok, ou juste un peu avant, au moment du confinement notamment. Vous la datez de quand, cette explosion de TikTok ? Pour moi, c'est au niveau du début du confinement 2020. Début 2020. Où on a testé, on s'est implanté sur TikTok, on a commencé à tester des formats, et on s'est très vite rendu compte que les formats, pas forcément léchés, effectivement, et assez, avec une faible production, des faibles moyens, cartonnaient. Et du coup, on a commencé à en faire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, notamment sur TikTok. Et on a vu que ça plaisait énormément à notre communauté. Du coup, on a commencé à les dupliquer aussi sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Et petit à petit, on proposait aussi sur ces autres réseaux énormément de short content, notamment vidéo, encore une fois. Alors, est-ce que ça vous a permis justement de vous démarquer
Ou est-ce que vous avez vu que ça fonctionnait ailleurs et donc vous vous êtes dit, mais attends, il faut qu'on fasse la même chose? Ça nous a permis de nous démarquer. Typiquement, cette vidéo-là, elle fait 3 millions de vues sur TikTok, ce qui était énorme pour l'époque. Et c'est une production qui n'est pas non plus très compliquée. On s'est appuyé de notre motion designer en interne. Un motion designer qui est quand même un poste hyper récent pour ceux qui ne savent pas. Oui. C'est une sorte de vidéaste 2.0. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont adeptes du contenu court, qui sont dans le montage et dans la production de contenu court et impactant. Mm. Et du coup, avec cet appui-là, ça nous permettait justement de produire beaucoup de contenu rapidement, avec peu de production, peu de moyens. Et effectivement, on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup. Donc, on se démarquait de nos concurrents, des autres clubs. Cette vidéo-là, elle fait, il me semble, 500 000 vues sur TikTok ou en Reels. Alors que c'est quelque chose de... Oui, sur TikTok, effectivement. Mm. On le dupliquait aussi sur Reels. Est-ce que c'était des formats, des vidéos à la base plus longues et vous extrayez à chaque fois des je sais pas, c'est 3 secondes, non, j'imagine. Ça, c'est 10 secondes et on avait comme ambition de faire moins de 10 secondes. La vidéo juste avant, il me semble que c'est 8 secondes. Mm. Et justement, l'objectif, c'était de séquencer, de prendre des vidéos d'un résumé de match. Par exemple, ici, c'est, il me semble que la vidéo initiale est un résumé de match. De prendre des vidéos de 3, 4, 5 minutes et d'extraire des séquences impactantes, catchy pour le public, qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui sortent un peu des sentiers battus, un peu des codes, des résumés de match, des vidéos de but, etc. Et d'en faire des petits montages un peu décalés ou uniquement des petits, typiquement le salto, d'en exploiter le contenu et d'en faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Alors justement, plus récemment, on va dire, en tous les cas, YouTube a sorti les shorts, donc lui aussi se lance dans cette vidéo courte. Est-ce que parfois vous avez des réseaux où vous privilégiez les vidéos longues pour vos clients, notamment dans votre stratégie? Est-ce que parfois, non, vous utilisez que des formats très courts pour TikTok, Insta notamment. Maud, est-ce que vous avez des exemples peut-être de marques que vous avez accompagnées et où vous voulez guider sur ces réseaux? Est-ce que vous avez des clients, je pense à ça, qui se disent non, je veux absolument être sur TikTok, c'est la cible d'aujourd'hui, c'est la génération Z, il faut qu'on la touche. Est-ce que vous leur proposez peut-être autre chose dans votre accompagnement? Ouais, alors évidemment, chaque accompagnement est hyper personnalisé. Ça va être en fonction des, encore une fois, des clients de nos clients. Donc TikTok, c'est pertinent ou pas, parce que ça reste quand même. Oui. Alors même si aujourd'hui il y a aussi des quarantenaires sur TikTok, la grande masse c'est quand même assez jeune. En fait, ça va pas forcément être du. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand même globalement, on est sur du short beaucoup. Mais par contre, c'est souvent au service du long content, du slow content. Je m'explique. Par exemple, on accompagne les laboratoires Roche. Sur plusieurs de leurs aires thérapeutiques, c'est comme ça qu'ils appellent les maladies, quoi, concrètement. Donc sur, par exemple, des communautés autour de la sclérose en plaques ou des choses comme ça. Pour qui on va imaginer des formats podcast, qui sont des formats beaucoup plus longs, ouais. Qui nécessitent plus d'attention. D'autres moments dans la journée des audiences aussi. Tu es en voiture, tu écoutes ton podcast, tu es dans le bus, tu vas regarder TikTok. Enfin, y a aussi ça, hein, c'est très complémentaire tout ça. Et donc, les plateformes sociales vont venir au service de ce podcast pour de la visibilité, driver du trafic, etc. C'est-à-dire qu'on va venir imaginer, par exemple, des shorts type des petites capsules audio extraits du podcast ou une petite capsule vidéo, même si le podcast est filmé, un verbatim. Donc, c'est tous ces petits formats plus courts qui sont moins de 30 secondes, qui captent l'attention, qui donnent envie, enfin, c'est format teasing un peu, en fait, qui donne envie aux audiences. D'aller voir peut-être. D'aller découvrir un peu plus le podcast. Ouais. Là où on ne pourrait pas poster le podcast entier sur Instagram, ça ne marcherait pas, quoi. Donc c'est souvent plus le court au service du long. Et je pense que c'est difficile aujourd'hui de faire. Du court ou que du long? Ouais. L'un doit être au service de l'autre. Si on va sur les réseaux sociaux, pas faire de court du tout, ça me paraît compliqué. Compliqué. Ouais. Et après, il y a plein de raisons de faire du long. Il y a des clients qui ont vraiment très envie d'asseoir leur expertise. Donc, des articles de blog, des choses qui vont un peu plus loin, viennent bien en complément, quoi. Alors justement, Lucas, vous, quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui, notamment pour développer le concept de la belle époque et peut-être les concepts à venir aussi? Est-ce que le short, vous avez le sentiment que ce sera toujours votre mode de fonctionnement ou est-ce que vous allez peut-être adapter en fonction, une fois de plus, de la cible?
Le short, notamment vidéo, celui que vous voyez ici, ici c'est une sorte de teasing, motion design, avec l'appui d'un motion designer d'ailleurs, celui avec lequel je travaille au FC Nantes, qui est spécialisé dans ces formats courts. Ici l'objectif c'était de créer vraiment un contenu court et hyper parlant, catchy, donc des vidéos et du texte très très court qui parle très très rapidement. La vidéo elle dure 20 secondes il me semble. 20 secondes c'est quand même très court pour présenter. Ouais, mais c'est, de base c'est quand même très très court pour présenter un concept. Mais effectivement on était plus parti de base pour valoriser le concept et pour attirer le public sur des photos. Et très très vite on s'est rendu compte en fait que les vidéos il n'y avait rien de plus parlant que pour valoriser le concept. Du coup si on va sur notre compte Instagram aujourd'hui, on est de plus en plus sur du contenu vidéo plus que du contenu photo. Donc on va tendre de plus en plus vers ça, mais effectivement on va différencier les types de contenu et les diversifier quand on parlera à un public un peu différent. Oui, aujourd'hui, alors là, parce que là, les croisières, elles s'adressent à qui? Quel est votre public? Notre cible phare, c'est du 25-35 ans. D'accord, donc eux, ils sont davantage sur le short, ils sont davantage sur les réseaux. Il y a d'autres concepts qui pourraient être développés et qui vont toucher une cible peut-être un peu plus âgée? Complètement. Par exemple, là, on va lancer des croisières after work, qui du coup touchent un public un peu plus âgé, 30, 45 ans. Oui. Et du coup, on va utiliser des contenus un peu différents. Alors, serait quoi ces contenus différents, justement? Est-ce qu'on revient à des médias traditionnels? Est-ce que ça, c'est encore, est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce qu'on s'en démarque totalement? Complètement. On va faire des activations avec des médias traditionnnels, c'est-à-dire qu'on va faire de la relation presse, et un média qui va parler de ce concept-là va être hyper intéressant pour notre cible. On va développer des newsletters et on va créer des événements Facebook. Aujourd'hui, on a créé un événement Facebook, ce qui est assez fou. À titre d'exemple, on crée des événements Facebook pour chacun de nos événements, notamment nos croisières festives. Et là, aujourd'hui, on a lancé, il y a 2-3 semaines, on a lancé un événement Facebook pour ces croisières after work-là. Habituellement, on fait 50 personnes sur l'événement Facebook, ce qui est vraiment faible, 50 personnes intéressées sur l'événement. Et pour ce l'événement Facebook, juste pour qu'on soit d'accord, oui, l'événement Facebook, c'est vous créez un événement et vous voyez qui a envie de participer exactement, à cet événement. Exactement. Normalement, on fait 50 personnes et là, sur ces croisières after work-là, on fait 1200 personnes intéressées, ce qu'on n'a jamais fait. Non, il y aura assez de place. On va faire plusieurs événements pour ça. Mais preuve qu'il n'y a pas que le short content et que le short vidéo content qui peut intéresser. Donc, c'est intéressant de développer tous les canaux. On développe aussi énormément l'UGC. On compte beaucoup sur l'UGC, c'est-à-dire le contenu généré par l'utilisateur, oui. Posté lui-même par l'utilisateur, ce qui n'a rien de plus parlant pour nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui va publier sur le bateau ou sur nos croisières une vidéo, une story, va être hyper intéressant pour nous parce que ça va faire de la visibilité à toute sa communauté et donc il n'y a pas meilleure publicité pour eux, exactement. Tout à l'heure, vous disiez, Maud, c'était assez intéressant sur le côté éduquer aussi vos clients à ces nouveaux contenus. Comment est-ce que vous faites justement pour leur expliquer qu'ils vont pouvoir peut-être sous différents formats être accueillis sur différents supports? Est-ce que ça aussi, c'est devenu finalement une des facettes de votre métier? Oui, complètement. Alors, pour des clients qu'on a déjà à l'agence, ça va être tous les formats reporting qu'on fait mensuellement où effectivement on analyse les résultats, on leur dit vous voyez bien qu'une vidéo de 10 secondes fonctionne mieux qu'une vidéo de 10 minutes, malheureusement. Mmh. Et puis on les nourrit aussi de data et tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et après, en phase de séduction, d'avant-vente, c'est tout un travail de panorama des réseaux sociaux aussi, de leur dire les audiences que vous cherchez à toucher, elles sont sur TikTok aujourd'hui, c'est ces formats-là qui consomment. Et eux, s'ils ont des problématiques parce qu'ils vont nous dire, en fait, nous, on fait des vidéos en interne déjà qui durent 10 minutes. En fait, il y a toujours des solutions, c'est-à-dire qu'on peut venir cutter ces formats-là. Ouais, dans la vidéo. Exactement. Donc, c'est en tout cas, on est assez insistant parce que on n'emmène pas des clients si on sait qu'ils vont se planter. Donc c'est important de maîtriser les codes et c'est à nous de les. Comment est-ce que vous qualifieriez un poste, un bon poste, un poste qui va forcément être un succès? Est-ce qu'on peut le prévoir ça finalement? On peut pas trop prévoir, non. Et j'aime bien citer l'exemple aussi par rapport à cet enjeu de short et long content de l'agence Romance, qui est une agence parisienne assez connue et qui travaille notamment pour Intermarché. Et à l'heure du short content à tout va, et même des campagnes, des spots télé qui durent moins d'une minute,
Eux, ils sont arrivés avec des spots Intermarché qui durent 3-4 minutes. Je ne sais même pas la durée. C'est hyper long. Vous les voyez sans doute au moment de Noël, notamment. Et en fait, il y a la guerre de l'attention, mais il y a aussi la guerre de l'émotion. Et je crois que si le message est canon, la pub hyper chouette, ça fonctionne, quoi. Même qu'elle fasse 30 secondes ou 4 minutes, je pense que même les jeunes sont capables de regarder 4 minutes d'un contenu s'il est bon. Donc il y a ça aussi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, quoi. Lucas, vous postez au quotidien à l'heure actuelle avec Nouza, avec La Belle Époque, sur La Belle Époque ? Non, en fait, on publie en fonction de l'actualité. Au FC Nantes, pour le coup, on publiait quotidiennement. À Bixi Life, on publiait quotidiennement. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez d'actualité. On ne fait pas des événements tous les jours, donc on ne publie pas tous les jours. On essaie de trouver des temps forts. On publie que sur des temps forts pour mettre en avant un événement, à l'ouverture des billetteries, après un événement, pour remercier et pour montrer toutes les photos et toutes les vidéos qui ont été tournées durant l'événement. Donc non, et pour répondre à la question aussi juste avant, malheureusement ce serait trop simple si on savait pertinemment qu'un contenu allait marcher, mais il y a quand même quelques tips ou quelques tendances qui nous permettent de dire, enfin de faire en sorte que ça va marcher. Oui. Exactement, c'est pour moi en tout cas sur du short video content, ça va être vraiment si les premières secondes sont rendre l'utilisateur captivé et intéressé. C'est-à-dire si le contenu est séduisant, qu'on arrive à... être impactant dès le départ. Exactement. Pour moi, sur TikTok notamment, les deux premières secondes, voire la première seconde, c'est quand même assez grave d'en arriver là, mais la première seconde est la plus importante parce qu'elle va faire rester l'utilisateur et noyer autour de tous ces contenus-là. Il peut très vite passer à autre chose et se dire « Ah non, c'est pas intéressant, au bout d'une seconde ou deux, donc je swipe ». Et du coup, nous, on essaye de vraiment, dès les premières secondes, d'être captivant avec de la vidéo ou du texte qui va l'intéresser tout de suite. Et le deuxième tip que je pourrais donner, notamment sur Instagram, même sur TikTok d'ailleurs, c'est d'être dans les tendances, dans les trends du moment. C'est-à-dire d'utiliser soit des vidéos, soit des trends, soit des musiques, pardon, soit des trends qui sont vraiment connotés en ce moment sur TikTok ou sur Instagram. Pour rebondir effectivement sur ce que disait Lucas, c'est des Combini qui l'ont très bien capté très vite, ça, cette guerre de l'attention avec ces techniques de mettre l'accroche, la chute de la vidéo dès la première seconde. Oui. Par exemple, des témoignages de j'ai fait le tour du monde avec un euro, découvrez comment, et hop, et après, on a envie. En fait, ça capte tout de suite et on a envie de voir la suite. Là où avant, il y avait surtout pas de jingle avec des logos, des choses qui durent 30 secondes parce que là, tu as perdu ton audience. Et en fait, c'est ça aussi où il faut éduquer nos clients. Alors en fait, on ne va pas mettre votre jingle de marque, votre logo et tout au début. On va d'abord mettre la personne en avant et après, on parlera de vous en outro éventuellement. Mais tout ça, c'est tout est à repenser, quoi. Et on le voit d'ailleurs de plus en plus sur LinkedIn. Vous aborderez sans doute le sujet derrière, mais la première phrase, vous allez nous spoiler là, hyper accrocheuse, mais j'en dis pas plus. Ça en devient un peu agaçant aussi, malheureusement, parce que c'est tellement codifié maintenant, c'est que voilà, on voit le truc, je mets une phrase d'accroche, puis bon, faut pas tomber, je pense, dans l'écueil aussi de vouloir tellement répondre au code qu'on fait tous la même chose et qu'aujourd'hui, il n'y a plus une marque, une agence qui se démarque, quoi. Oui, il faut garder votre patte aussi et puis voilà votre... Ouais, et faire en sorte que ces contraintes-là nous rendent créatifs, quoi. C'est des formats qui sont contraignants, mais c'est de là que naît la créativité souvent, donc voilà. Alors, il y aura peut-être des questions, justement, de la salle par rapport à vos interventions. Je suis sûre qu'il va y en avoir, alors que ce soit sur le chat ou que ce soit en présentiel. Oui, justement, il y a une question du chat. Le fait qu'on ait dit justement que maintenant, le short content, on est dessus tous et tout le temps, dans les transports en commun, en voiture, qu'on soit en famille, entre amis ou quoi que ce soit, le chat se demande s'il ne serait pas un frein à la socialisation. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? François ? Ce sera plus simple pour François que pour nous. Est-ce que je sais pas, je suis bien là ? Oui. Non, oui. Venez sur le plateau directement, François. Mettez-vous avec Maud et Lucas. À mon sens, c'est ni un frein, c'est plutôt une accélération. C'est plutôt une accélération de socialisation. Et le problème, en fait, c'est la vitesse des flux et c'est la durée. C'est un frein parce qu'on est avec son écran. Certes, on n'est pas avec les autres, mais quand on lisait un livre, c'était exactement la même chose, on n'était pas avec les autres. Et à mon sens, c'est une socialisation, mais qui s'affranchit du contexte. C'est-à-dire que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes branché sur des contextes qui ne sont pas forcément les vôtres, à l'instant T,
vous participez à une socialisation, mais qui s'affranchit des contextes. Et donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est nouveau. Avant, on avait des livres, on avait le cinéma. On a encore. On a encore. Rassurez-moi. C'est un peu oublié. C'est un peu oublié. Là, maintenant, on s'affranchit du contexte, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'espace physique et dans la temporalité que tout le monde vit. On vit ailleurs. On vit sur des écrans. Alors, ça développe une socialisation qui est basée sur une acontextualisation. Oui, parfois une virtualisation des relations aussi. Absolument. On croit qu'on a des amis, une communauté. Déjà dans notre cerveau, le problème, c'est qu'on a du mal à faire parfois la différence entre la fiction et la réalité. Pour une raison simple, c'est qu'on oublie tout, on est obligé de tout reconstruire, et il y a plein de choses en fait qu'on reconstruit dans le cerveau tout le temps. Voilà. Effectivement. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, tout le monde a été super clair ? D'accord. Et ben on va pouvoir passer à notre troisième temps fort. Merci beaucoup Maud, Lucas, d'avoir été avec nous, pour nous expliquer le pourquoi du short content. Et maintenant, on va accueillir Gwen Broudic et Damien Gendrin sur cette troisième partie de colloque. Merci beaucoup Gwen et Damien d'être avec nous sur ce colloque. Vous êtes sur ce troisième temps fort. Là, on va venir expliquer justement comment on crée ce short. Alors, c'est vrai qu'avec Lucas et Maud, on a un petit peu déjà abordé le sujet. Mais on va voir que vous vous positionnez sur... vous avez beau être des agences digitales, vous vous positionnez sur des secteurs un peu plus particuliers. Et donc là aussi, il faut finalement réadapter sa stratégie. Gwen Broudic, vous êtes directrice associée en conseil digital chez Nobilito. Et Damien, vous avez cofondé et vous êtes associé de l'agence digitale Modo. Alors justement, Gwen, vous travaillez donc pour l'agence Nobilito et vous avez 15 ans d'expérience de conception de sites et de pilotage de stratégie digitale. Comment est-ce que vous avez vu les choses évoluer ? J'y étais un peu fort là ? 15 ans. Pas même, 15 ans. Même plus. Ah, même plus, non. Donc effectivement, nous, chez Nobilito, on connaît une agence globale de 35 collaborateurs. Et en fait, nous, on adresse autant la stratégie de marque que la dimension créative, web design, création de sites. Et moi, à l'agence, je suis en charge de l'activité digitale par tous les leviers web marketing et notamment le social media et l'influence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Nobilito, vous avez quand même à cœur de diminuer finalement l'impact des activités sur l'environnement de vos clients. Est-ce qu'on peut parler influence et environnement ? Est-ce que ce n'est pas antinomique ces deux notions finalement ? Alors, ce n'est pas antinomique et au niveau de l'influence, on le travaille dans une logique d'influence responsable. Comment finalement bien aligner les discours de la marque avec les valeurs de l'influenceur ? Comment faire en sorte que chaque contrepartie soit bien calée au niveau du dispositif qu'on va mettre en place pour la marque ? Et que l'influenceur, finalement, est une contrepartie financière qui soit alignée avec l'apport qu'il va avoir ? Que la marque ne soit pas déçue derrière de l'engagement, la visibilité, le nombre d'abonnés supplémentaires qu'elle va avoir et potentiellement de ventes derrière. Donc l'idée pour nous, c'est bien de cadrer les attendus, de définir et aussi de sélectionner l'influenceur qui sera le plus consommateur potentiel de la marque. Alors j'imagine que vos clients ne viennent pas chez Nobilito par hasard non plus. On choisit son agence en fonction de ses besoins, en fonction des valeurs, de l'ADN de l'agence digitale, non ? Oui, je pense que c'est notre capacité effectivement à les convaincre et les embarquer dans la meilleure stratégie. La stratégie, parce qu'on, comme on la pense globale, on va imaginer peut-être un dispositif auquel ils n'auraient pas pensé au départ. Donc, ils peuvent très bien, au départ, avoir une problématique de visibilité de marque et ne pas avoir pensé à la dimension social media, influence, ne pas exploiter les contenus UGC dont on parlait. Donc, l'idée, ça va être vraiment de voir comment
on va pouvoir faire avec ce qu'ils sont, avec leur ADN, leurs valeurs, et améliorer et optimiser toute cette visibilité pour aller chercher à répondre à leur objectif de notoriété, de visibilité, de développement de leur croissance. Oui, on est vraiment dans une stratégie finalement marketing assez globale. Damien, c'est pareil. Vous êtes, donc vous avez cofondé l'agence Modo, hein, je le disais. C'est le résultat de la fusion finalement de deux agences, la boîte à donuts et Monsieur Lucien. Je spécifie que vos associés sont quand même des anciens de Subdecom, c'était à noter. Un de mes anciens associés, oui, effectivement, qui est plus à l'agence aujourd'hui, qui était major de promo en 2015, 2016, quelque chose. Alors, ils doivent s'en souvenir. Oui, certainement. Tout à l'heure, et donc vous avez décidé de créer cette agence digitale, donc Modo. Quel est le concept? C'est quoi votre ADN? Alors notre ADN, c'est on travaille normalement, on est un peu comme Nobilito, une agence digitale, plus spécifiquement digitale pour le coup globale. On travaille sur la partie production de sites web, web design et toute une partie aussi acquisition, donc SEO, SIA, social ads et animation de communauté, community management. Et on a aussi une branche formation et transmission de compétences. Et on va dire que notre ADN, elle se joue beaucoup là-dessus. Sur justement expliquer nos métiers, faire rentrer en fait nos clients dans une démarche collaborative avec nous, pour qu'ils comprennent les enjeux de ces sujets digitaux qui sont parfois obscurs, notamment le short, effectivement, on essaie de l'expliquer depuis ce matin, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont un peu complexes et obscurs pour nos clients. Donc l'idée, c'est de les embarquer dans une démarche un peu collective avec nous pour que derrière, nos prestations se passent pour le mieux. Oui. Alors, quels sont les autres sujets complexes en rapport avec justement le short, le long, c'est ça? Leur faire comprendre un petit peu comment les deux peuvent s'associer en fonction de la cible? Exactement, exactement. Alors, nous, on a plusieurs sujets sur lesquels, effectivement, on va travailler là-dessus, notamment quand on parle de référencement naturel, on a besoin de masse, de contenu, de longueur, etc. Et à côté de ça, on a des campagnes Google Ads qui viennent promouvoir les contenus en question et qui sont justement basés sur des éléments très courts. Et on retrouve la même chose sur LinkedIn, qui est un sujet où on travaille beaucoup à l'agence. On a beaucoup de clients en B2B. Et donc, effectivement, cette dualité short et long content, elle est vraiment très forte. Et effectivement, elle est peut-être parfois un peu compliquée à appréhender pour les clients sur ces deux médias-là. Oui, parce que l'objectif, est-ce que c'est vraiment de les accompagner? Donc, pareil, hein, sur un accompagnement de A à Z. Est-ce que c'est aussi, à un moment donné, qu'ils puissent s'emparer aussi de vos outils et donc continuer à poursuivre eux-mêmes leur stratégie digitale? Chez Nobilito, comment vous fonctionnez? Alors effectivement, on va pouvoir proposer différents types d'accompagnement. Il y a des clients qui ont une équipe de community manager et l'objectif, c'est de nous venir nourrir de contenus qu'ils ne sont pas en capacité de produire. Donc, par exemple, de la vidéo, de les aider aussi à s'emparer de certains formats avec lesquels ils ne sont pas à l'aise. Donc, soit du coaching, soit de la formation. Soit c'est nous qui venons en apport produire. Donc c'est de l'externalisation complète parfois et partielle pour d'autres clients. Là, j'ai mis un exemple donc, d'un contenu qu'on a produit on ne l'a pas produit en fait, il a été produit par un influenceur, mais qui est une commande pour la région Pays de la Loire, pour Aléop, pour inciter les jeunes à utiliser les transports en commun, le train, le TER, pour se rendre à la plage et notamment l'été. Donc là, c'est un contenu qui aurait effectivement coûté extrêmement cher s'il avait été produit par un vidéaste, etc. Et là, il est réellement donc tourné, monté de façon assez rapide par l'influenceur. Le contenu, il est diffusé à la fois sur les plateformes d'Aléop, mais il est aussi diffusé en parallèle sur les plateformes de l'influenceur et donc sur TikTok. Et donc, ça va permettre à Aléop de toucher des cibles qui ne sont pas déjà dans la communauté d'intérêt d'Aléop. Et comment vous avez sélectionné cet influenceur? Justement, ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'était un vrai travail de fond des personnes qui travaillent à l'agence. C'est des outils. Donc, il y en a plusieurs. On a sélectionné, nous, un outil qui nous permet donc de sélectionner les influenceurs. Ça nous donne des indicateurs sur la façon dont la communauté s'est construite. Quel est l'engagement de cette communauté, s'ils sont des hommes, des femmes, etc. Et donc, ça va nous permettre, nous, de proposer à notre client un panel d'influenceurs qui nous paraissent correspondre aux besoins.
puis de prendre contact, de négocier avec eux. Par contre, vous êtes obligé de le rémunérer, cet influenceur. Alors, les influenceurs sont rémunérés, les contreparties sont calées au départ avec l'influenceur, et à nous de négocier le prix avec l'influenceur et de faire comprendre à la marque derrière quel va être le ROI de cette opération par rapport à un dispositif qui aurait été publicitaire, sponsorisé. Damien, vous le disiez tout à l'heure, vous travaillez aussi, donc peut-être essentiellement, je ne sais pas, avec les TPE, les petites entreprises finalement. Donc vous utilisez aussi des réseaux sociaux un peu différents, peut-être pas que TikTok, c'est peut-être un petit peu moins adapté, on va dire. Quels sont ceux que vous privilégiez ? LinkedIn, est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors oui, il y en a d'autres. On travaille beaucoup sur Insta, notamment. Très peu sur Facebook et beaucoup sur LinkedIn, effectivement, parce qu'on a de plus en plus de clients qui viennent nous chercher en B2B sur ces sujets-là. Ouais. Alors ça peut être des cabinets d'expertise comptable, ça peut être des entreprises qui fabriquent des pièces pour l'industrie aéronautique et aérospatiale. Bref, des sujets très larges, donc pas forcément que des TPE, mais aussi des ETI et des belles des PME en France. De taille intermédiaire. Effectivement, et qui viennent nous chercher justement pour essayer de jouer sur à la fois du short, mais à la fois du long, et notamment sur LinkedIn, où on a un effet assez intéressant, qui est que l'algorithme de LinkedIn aujourd'hui va privilégier des contenus un peu plus longs. Oui. Ça a toujours été le cas, non ? Ça a toujours été le cas parce que effectivement la fréquence de diffusion d'une entreprise en B2B, on évoquait ce sujet-là avec les deux personnes qui intervenaient juste avant, effectivement la fréquence de diffusion sur un TikTok, sur un Insta, doit être assez forte pour justement imposer notre marque. Sur LinkedIn, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Donc effectivement, on va publier moins souvent et donc forcément des contenus un peu plus impactants. Les posts ne sont pas quotidiens ? Non, pas quotidiens. Alors, à titre individuel, on peut publier de manière quotidienne, il n'y a pas de souci. Mais pour une entreprise, c'est compliqué en B2B d'aller publier tous les jours. Il faut une actualité de toutes les façons à chaque fois. Exactement. Pour publier à nouveau. Exactement. Et puis quand on n'est pas une marque grand public et qu'on fabrique de la pièce pour l'aéronautique, c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout qu'il y a aussi des sujets peut-être un peu sensibles qu'on ne peut pas diffuser. Donc voilà, ça limite aussi le champ des possibles. Alors justement, short, long, vous, quel est votre constat aujourd'hui ? Est-ce qu'on reviendrait à un contenu un peu plus long ? Oui. Notamment parce que LinkedIn, qui reste une valeur sûre, notamment quand on fait du B2B, ou est-ce que là aussi, vous voyez quand même les choses évoluer vers des contenus plus restreints ? Alors, il y a les deux. Et c'est ça qui est assez intéressant. LinkedIn s'était essayé il y a quelques années aux stories, finalement abandonné puisque c'était très peu utilisé. Et on a eu une annonce récemment où ils vont lancer en fait des fils vidéo, l'équivalent des reels en fait. Donc on va se retrouver avec des reels sur LinkedIn. Personnellement, j'ai un gros doute sur l'efficacité de cette nouvelle fonctionnalité. Je pense qu'ils vont plutôt surfer sur la vague effectivement et voilà, la vague des reels, de TikTok, des shorts. Pour autant, est-ce que la cible, et encore une fois, je pense qu'il faut toujours se reposer la question de quelle est notre cible, quel type de contenu ils vont consommer, et qu'est-ce qu'ils attendent en fait de notre marque, quelle qu'elle soit, que ce soit du grand public ou du B2B. Pardon. Et ça, il ne faut pas l'oublier, je pense, et notamment sur LinkedIn, dans la construction des contenus qu'on va avoir, et donc peut-être produire des contenus plus longs. Alors, on a cet effet qui est évoqué de la petite accroche, on va dire, qui vient justement créer l'impact, qu'on utilise nous, que nos clients utilisent, parce qu'on leur recommande, parce que c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est ce que l'algorithme aussi va faire remonter, c'est ce qui intéresse les gens. Mais on s'aperçoit, on a eu très récemment un post qui détaille un petit peu les nouveautés de l'algorithme LinkedIn et ce que l'algorithme attend. Et comme vous voyez, les durées de vidéos idéales, c'est 1 minute 20. Ouais. Donc on n'est pas sur les 3 secondes et n'est pas sur les 6 secondes qu'on peut avoir en contenu publicitaire YouTube, les 15 secondes recommandées sur Insta ou Facebook quand on fait des social ads, qu'on travaille beaucoup aussi. On est plutôt sur des durées plus longues parce qu'on doit déployer un contenu avec un contexte, un sens, etc. Donc c'est plutôt ça intéressant. Donc on peut avoir des accroches très courtes et derrière, tout de suite déployer un contenu plus long que sur d'autres plateformes. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Lucas et Maud, effectivement, et c'est un vrai sujet. Le métier a évolué. Gwen, vous, en interne, comment ça se passe ? Vous avez fait des nouveaux recrutements ou est-ce que les personnes déjà salariées, installées, ont dû faire des formations pour évoluer sur ces nouveaux contenus qui travaillent sur LinkedIn, sur TikTok, sur Insta ? À chaque fois, il faut se réadapter. Ça consiste en quoi aujourd'hui ? Quelles sont les compétences demandées ? Alors, c'est vrai que ce sont des métiers nouveaux qui sont finalement assez
peu enseignée, ou en tout cas dans les écoles, les écoles s'en emparent de façon, en tout cas en essayant d'y intégrer les compétences clés, mais en agence, effectivement, on a besoin pour le social media d'avoir des personnes qui ont une capacité à écrire, qui sont éminemment curieuses et qui sont en capacité à remettre en question ce qu'elles savent, puisque ça évolue tellement vite que de nouveaux leviers, de nouveaux dispositifs sont permanents. Ce sont des capacités à faire du montage, effectivement, vidéo et utiliser les outils des plateformes. Donc moi, dans mon équipe, les personnes qui sont en charge du social media écrivent, utilisent des stabilisateurs vidéo, smartphone, pour produire du contenu, sont en capacité de faire du contenu tourné, monté, donc ce qu'on appelle vraiment le contenu snackable. Et quand on a des contenus un petit peu plus léchés à travailler pour une campagne de social ads ou autre, là, on va vraiment faire appel à ce que disait Lucas, donc vraiment des personnes motion designers, donc créa, et qui, eux, utilisent d'autres logiciels, donc continuent à travailler sur Adobe, utilisent After Effects, et donc là, ce n'est pas tout à fait les mêmes compétences. Et donc là, on voit bien que dans les contenus social media, ben, on a le contenu un peu conversationnel, immédiat, le temps du live, et puis le contenu un peu plus travaillé, un peu plus publicitaire, qui continue à être important. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire, alors c'est peut-être une généralité, mais que les jeunes consomment des contenus courts, de la vidéo, enfin, c'est vraiment ça qui les intéresse. Est-ce qu'ils sont encore en capacité, je ne sais pas comment quelle est votre observation d'un point de vue professionnel, leur capacité à créer du contenu éditorial de qualité? Vaste question. Je pense qu'effectivement, on est dans une génération qui justement a baigné dans tous ces outils de création, qui a baigné dans ce fonctionnement des short content. Et je pense qu'effectivement, c'est une génération qui aujourd'hui arrive à se débrouiller, en fait, une génération un peu MacGyver, comme justement le disait, qui va effectivement à la fois savoir rédiger, remettre en question ce qu'il fait, faire un peu de créa avec des outils, parce qu'on a aussi des outils qui sont simplifiés avec la simplification des contenus. Donc on va dire que tout a avancé en même temps. Donc effectivement, je suis plutôt confiant sur justement cette... Leur aptitude à s'adapter à chaque fois à ce qu'on leur demande. Il y a toujours cette question que j'évoquais juste avant, de toujours penser à notre objectif, à nos cibles. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il ne faut pas sortir un peu du cadre. Et c'est là où le cadre d'une strat marketing ou de com un peu traditionnel vient redonner du sens à ce qu'on fait. C'est toujours penser à pourquoi on le fait et pour qui on le fait, comment on le fait. Bref, les questions un peu basiques, on en revient là. Mais après, sur la partie production, créativité, j'ai aucun doute là-dessus. Gwen, vous auriez un conseil à donner à nos étudiants ? Je n'ai pas un conseil en particulier. Je dirais que je pense qu'il faut bien connaître ses envies, ses aptitudes. La capacité à écrire, elle est de toute façon en social media essentielle. Donc il faut savoir écrire. Il faut connaître les plateformes. Je pense qu'il est important aussi d'exploiter et d'utiliser tous les leviers du web marketing pour bien comprendre finalement ce qui peut derrière plaire, parce que les métiers aujourd'hui en digital et en social media, ça peut être effectivement le référencement naturel qui lui aussi demande des compétences un peu techniques et aussi des compétences de rédaction. Le Google Ads, où on a quand même des difficultés à ce que les jeunes aient envie plutôt de gérer de la campagne payante. Donc ça, c'est des métiers qui demandent beaucoup de capacités de data analyse, qui sont également des choses très intéressantes. Et puis le social media, c'est de la rédaction, c'est aussi convaincre des clients sur de la formulation. C'est des compétences qui sont finalement assez proches, mais en tout cas, nous à l'agence, ceux qui écrivent le plus et de façon plus détaillée, nourrie, etc., sont plutôt les personnes qui sont dans l'équipe Strat et Social Media. C'est vraiment la technique
des plateformes, la connaissance des réseaux et les différents formats qui vont performer pour les campagnes qu'ils vont avoir à gérer. On parle souvent... c'était une petite question, je me l'accorde. Moi, on a le sentiment, les shorts, souvent, qu'il faut que ce soit drôle. Est-ce que c'est toujours drôle du short content? On va dire qu'on tout à l'heure, on parlait d'émotion. Donc effectivement, l'humour est un levier d'émotion qui marche très bien. Pour avoir donné pendant pas mal d'années des cours dans des écoles de com, sciences com en premier, puis je ne citerai pas de concurrent sur la synthèse. Mais effectivement, c'est un levier qui est facilement utilisé par les jeunes générations. Et quand je dis jeunes, quand je donnais des cours il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, ils ne sont plus tout à fait jeunes, mais en tout cas, ils avaient déjà un peu cette mécanique-là. Et effectivement, l'humour marche bien, mais il n'y a pas que l'humour, je pense. Il faut sortir aussi de cette idée reçue que notre message peut ne passer qu'avec de l'humour. On le voit très bien avec LinkedIn. On peut avoir une tonalité plus légère, mais ne pas forcément utiliser l'humour et arriver à faire passer des messages un peu forts. Ça peut être de la provocation, on en parlait tout à l'heure, une autre émotion sur laquelle on peut jouer. Bref, il y a un panel d'émotions qui est assez large et je pense que l'humour n'est pas, et donc le rire n'est pas la seule émotion sur laquelle on peut jouer. Merci beaucoup Damien. Gwen, j'imagine qu'il y a peut-être quelques questions, que ce soit dans la salle. Bonjour, donc ma question, moi, c'est quelle est la campagne de short content qui vous a le plus marqué, qui a eu une certaine réussite, et du coup, pourquoi, qu'elle a été menée par vous ou non? Très bonne question. peut-être que Modé Luca aussi ont des exemples en tête. Ouais. Vous pouvez retourner sur juste, le plateau. Alors, il n'a pas été peut-être diffusé, mais je vais juste je prenais l'exemple du Harald Enbom. Donc c'est c'était pas cet exemple-là, c'était un autre exemple. Donc on accompagne le Harald Enbom et l'idée c'était de faire connaître le spectacle équestre et inviter des familles à découvrir ce lieu et à s'y rendre et pas seulement quand on habite dans le Morbihan, mais peut-être dans le cadre de son parcours de vacances, etc. Et c'est vrai que là, les réseaux sociaux ont eu un réel impact pour eux en termes de remplissage. Le fait de faire venir des influenceurs qui ont produit du contenu a aussi permis de nourrir. Donc là, un exemple de contenu que l'on a produit pour eux. Eh bien, vraiment, ça change la dimension de ce lieu et ça ouvre à d'autres clientèles alors qu'ils étaient dans un dispositif au départ très affichage, brochure, plaquette, etc., donc dans les outils traditionnels de communication. Et ça a vraiment été plutôt un succès pour eux. Et aujourd'hui, on est fiers qu'ils remplissent à 100% leur spectacle. J'avais un exemple positif, mais aussi un exemple négatif, parce qu'il n'y a pas forcément que des short content cool qui fonctionnent. Je vais commencer par le positif quand même. C'est celui que vous avez peut-être vu sur Canal+, dernièrement, qui fait la promotion de la vidéo de Validé, de la nouvelle saison de Validé, pardon. Oui, la série. Qui dure à peu près une minute. Alors pour moi, c'est un peu long. Mais pour la télé, je trouve que ça marche très, très bien. Vous la regarderez si jamais vous n'êtes pas encore tombé dessus, mais pour le coup, cette vidéo-là est quand même très, très cool et très, très bien produite pour mettre en avant, avec un peu d'humour d'ailleurs, pour mettre en avant la nouvelle saison de Validé. Et pour moi, une vidéo short que j'ai, pour le coup, après, libre à chacun de prendre ou non, on en a parlé juste avant, c'est le teaser vidéo de la série sur Prime Video qui s'appelle « Où est passé Jérôme ?» qui fait référence à où est passé Jérôme Jarre, qui met en avant la nouvelle série, qui tease la nouvelle série de Prime Video sur Jérôme Jarre et sa levée de fonds de 4 millions d'euros pour les Rohingyas. Et pour le coup, je trouve que cet aspect-là, l'aspect short content a des limites, dans le sens où le teaser, qui dure, il me semble, 30 secondes, a voulu compacter toute la série en 30 secondes, mais pour teaser la série, avec un aspect quand même un peu fake news, c'est-à-dire que le teaser, pour le rendre hyper attractif et que les gens aillent regarder la série derrière,
à user de méthodes que je ne trouve pas hyper positives et pas hyper legit. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer Jérôme Jarre comme quelqu'un qui allait, qui avait pris l'argent, qui était parti avec l'argent de cette levée de fonds-là et qui ne l'avait pas donné aux Rohingyas. Alors que le fond, si on regarde la vidéo, si on regarde la série, n'est pas du tout celui-là. Il n'a pas volé d'argent. Il a fait des erreurs. Mais cette vidéo-là, le fait de vouloir compacter tout ça et d'avoir comme objectif de teaser au plus haut point la série, parce qu'il y a une multitude de séries, parce qu'il y a de la concurrence sur Netflix, parce qu'il y a de la concurrence aussi sur Prime Video, ça a des aspects négatifs, notamment les fake news ou le fait de vouloir le buzz à tout prix. Et voilà, c'est un exemple assez négatif que je me suis accordé. Merci. On prend encore une autre question ? Moi, j'avais une autre question. Est-ce que vous, plus souvent, vous utilisez, enfin, vous allez, avec vos clients, vous allez utiliser plus souvent du short content ou des contenus longs ? Et à l'avenir, est-ce que vous pensez que le short content va rester ? Comment il va évoluer ? Enfin, quelle est votre vision, vous, sur l'avenir par rapport au short content ? Je pense qu'il a un bel avenir devant lui. On est quand même au début de l'histoire, mais comme on le disait, le short content ne remplace pas le contenu long. En référencement naturel, c'est indispensable. Donc on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Et l'idée, c'est plutôt dans une stratégie globale, dans une stratégie digitale, d'y intégrer les différents leviers et de bien caler ce qu'on attend de chacun des formats qu'on va adresser. Et peut-être pour compléter, effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet effet short content s'est largement développé avec nos smartphones, avec en fait un support de communication, un support de diffusion en fait. Et le smartphone n'est pas prêt de le voir disparaître, je pense, sauf épuisement des ressources, mais bref, c'est un autre sujet. on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais en tout cas, forcément, on est sur un support relativement petit, donc on est obligé effectivement d'adapter notre stratégie de communication à ce support-là. Et donc le short, de fait, a de beaux jours devant lui. Et même la construction de nos sites, la construction des contenus sur nos sites a été largement aussi modifiée ces dernières années, où justement on va aussi adopter vraiment une stratégie plus short, notamment avec des titres accrocheurs, des petits paragraphes, des vidéos d'illustration d'introduction, des grandes vidéos d'ailleurs qui prennent toute la page. Et puis par contre, plus on descend sur notre contenu, plus on a du contenu enrichi, complet, qui vient détailler notre sujet. Donc en fait, même sur du site web, on s'est adapté parce que, encore une fois, c'est le mobile qui draine la plupart du trafic mondial aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis, que ce soit ici dans les studios de M-Stream, qu'on remercie encore pour leur accueil, ou que ce soit derrière vos écrans à Sub2Com. Merci évidemment à l'équipe pédagogique Sub2Com, à Marie Hurtel qui aura accompagné les étudiants durant cette année pour monter ce nouveau colloque. Merci à tous les invités qui ont fait le déplacement jusqu'à nous. C'était un plaisir que de parler du short content aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup. We'll be right back.